Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir. Alors là, j'ai reçu mon nouveau bureau parce que mon PC n'est pas encore monté. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, on va ouvrir. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un pied de bureau. Ah, c'est un bureau électrique. Vous pouvez le descendre et le monter à une certaine hauteur. Vous verrez ça quand je l'aurai monté. Alors, essayez de voir un peu les pièces. Là, vous avez le moteur. Là, des câblages. Alors, ça, c'est du mécano à monter. Hein. J'ai pris blanc. Et là, je vais vous montrer, ça, c'est le dessus. Alors le dessus, 72 pouces de long, ça fait 6 pieds, donc à peu près 1m80. Et 30 pouces, ça fait... 42. Ah non! Bah non, 30 pouces, non, non. Merde. 30 pouces, ça fait 2 pieds et... Oh, c'est chiant, c'est une version. Ouais. Bah, vous voyez la hauteur, hein. 30 pouces, 30, ça fait dans les 80 cm, pas loin, de profondeur. Et 1m80 de longueur. Voilà, c'est ce grand carton là, ça pèse 40 livres. Hein. 40 livres, c'est 454 grammes par livre. Donc ça fait rien que le dessus, il fait son poids. Là. Il fait dans les 17 kilos, c'est ça le dessus? Au moins, ouais. Ouais, 40 livres, il doit faire 17-18 kilos le plateau. Alors il est blanc d'un côté, c'était blanc, j'ai vu ça sur Amazon, j'en ai reçu un qui était mort, j'en ai retourné un autre, quand il était mort, il était scindé. Et puis là, bon, ben, on le... 33-65. Voilà, ça fait 67 cm de profondeur et 1m80 de longueur, ça fait un sacré plateau. Et bon, voilà, ça va être fixé là-dessus et ça va monter et descendre. Bah, bon, nous, on va le monter, on va essayer de se débrouiller à monter. On va pas vous montrer le montage. Vous verrez ce que ça donne une fois terminé. On va monter et descendre avant de mettre l'ordinateur dessus. Alors voilà, et ben, on vous retrouve un peu plus tard. Le retour, le meuble est monté, non sans mal, parce que là, on est... plusieurs jours après parce que j'avais un problème technique, le moteur qui ne fonctionnait que d'un sens, donc il montait et il descend, là il descendait, mais bon c'était un mauvais positionnement des pour rater les vielles, les tiges d'entraînement, donc après réinstallation correcte du moteur, bah, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors voilà, le panneau dessus, ben, vous l'aviez vu dans le carton, un beau panneau en bois, avec du gros revêtement, il fait 1 pouce de centimètre 5 d'épaisseur, 17 kg, rien que le dessus, il fait 1m80, c'est-à-dire 72 pouces, et il fait... 30 pouces de large, donc on a une bonne profondeur. Alors là, vous avez le panneau de commande. Alors on va essayer, on va descendre à fond. Et là, vous allez voir où il descend. Voilà, 74 cm 9. Vous voyez ce que ça donne, vous allez voir que ça monte très haut.
Alors, j'ai pas encore mémorisé les... Je peux mémoriser trois étages, vous voyez. 1, 2, 3. M pour mettre en mémoire. Et automatique. Alors, il faut que je vois tout ça, mais mettons, je peux mettre des... au plus bas, intermédiaire et au plus haut en mémoire. Et là, quand j'appuierai sur 1, 2 ou 3, bah, il ira directement. Il n'y aura pas besoin d'essayer le doigt posé dessus. Alors, mon petit portable MSI, il fonctionne très bien. La belle souris. Voilà, alors maintenant, changer de main. J'espère que je ne vais pas trop trembloter. Et là, on va y aller. Vous voyez ? Encore et encore. Voilà. Alors, remettre comme ça. Là, vous voyez, 1m23. Alors de 74 cm 9 à 1m23. Voilà. Profitez pour jeter un œil en dessous. Vous voyez le moteur avec les. J'ai appelé les bielles d'entraînement. Hop. On essaie de faire ça au plus propre. Vous voyez, avec des supports et des colliers. Voilà. On va regarder de loin ce que ça donne. Fauteuil à côté, regardez ce que ça donne. Voilà, vous voyez que ça arrive très très haut parce que moi ça m'arrive à la poitrine presque, et je fais 1m91, donc voilà. Alors c'est très très pratique. Là, bah, avec le portable, on peut travailler debout, mais là, il faut que je baisse. Voilà. Et là, bah, debout, voilà. Travaille debout devant le portable. C'est très, très agréable. Alors maintenant, j'ai plus qu'à remettre tout mon PC dessus. Hein. J'ai deux supports pour les moniteurs. Donc je vais installer tout ça et je vous montrerai ce que ça donne après. Ok, et bien sur ce, ben, moi je vous dis, si ça vous a plu, ben, partagez, likez, commentez, ça prend tous les commentaires. Et puis ben, on se dit à plus tard et je vous retrouverai avec plaisir. Sur ce, à ciao, bye.